Le vernissage de l'exposition Tritilisme, premier mouvement plastique marocain, a eu lieu au centre d'accueil et de conférences de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales, de l'éducation et de formation à Rabat. Cette exposition collective, qui se poursuit jusqu'au 10 mai, met en avant la richesse et la finesse du patrimoine marocain, les splendeurs de la nature dont regorge le royaume, ainsi que son histoire à travers de nombreux monuments, tels que Bab Mressa Saleh, les légendaires Kasbah et les imposantes Zoudaya. Le lancement d'un mouvement purement marocain. Et vous savez, nous avons eu quand même des artistes peintres de renom qui ont marqué leur passage au Maroc et même sur le plan international. Mais ils ont été influencés un peu par les courants étrangers, de telle sorte qu'ils n'ont pas pensé un jour à créer un mouvement véritablement marocain. Concernant le processus de création de ce collectif, M. Afif Binnani a affirmé avoir présenté ses œuvres auprès d'un parterre d'artistes peintres marocains qui ont manifesté leur appréciation et intérêt par rapport au mouvement, se joignant à lui lors de cette exposition. Grand plaisir de participer à ce grand, cette belle fête, une belle exposition collective sous la direction de Monsieur Saafif Binnani, notre président de l'Ordre national des artistes peintres et des photographes, et aussi c'est le prince des Kasbah, et c'est lui qui a créé ce premier mouvement artistique au Maroc. Le Maroc est relativement jeune en matière d'histoire de peinture en général. On parle d'un petit siècle, même pas. Et jamais nous n'avons créé au Maroc un mouvement, un vrai mouvement, comme ça a été fait en Europe et ailleurs. Alors aujourd'hui, sur l'initiative de Saafif Binnani, qui est un vrai grand maître, il a pensé l'événement, il a pensé la création justement de ce mouvement nouveau qui s'appellerait le traitillisme. Le mouvement du traitillisme permet à ses adeptes de refléter sur leur toile des thèmes beaux et nobles, de justes proportions, une composition équilibrée, une harmonie d'ensemble et des sujets qui concourent à la magie de l'art contemporain par une sensibilité spécifiquement marocaine.